L'école se trouve dans le quartier des Sables Blancs, à environ 2 km du centre-ville. C'est le petit matin, mais il fait déjà 30 degrés. Jour de grève aujourd'hui, les alentours du lycée et du collège proche de l'école sont presque déserts. Au fond du quartier, voici la nouvelle école installée au mois d'août dernier. Les locaux accueillent pour l'instant une cinquantaine d'élèves répartis en trois classes, du CP au CE2. Je suis le matin là pour accueillir les enfants, qu'ils soient bien à l'école, et puis l'après-midi, le soir, à leur départ, aussi présent pour que tout se passe bien. Qu'est-ce que tu vois écrit là? Qu'est-ce que tu écrit là? L'école. L'école commence à 7h30. L'école se termine à 13h. Comme dans les autres écoles primaires, il n'y a pas de cantine. Ce qui a surpris les enseignants, c'est la diversité des niveaux, beaucoup d'enfants n'ayant jamais été scolarisés auparavant. Alors là, nous venons d'accueillir les élèves de CE1 et on va commencer la réflexion du matin, comme on fait tous les matins. Oui, Christiana ? Et la maman, la papa, les deux petits indiens ? Oui. Moi, j'ai fait les éclairs avec sur maison. Leur père, il leur avait donné des flèches en feu. Voilà. Et une armure en arc-en-ciel. Venez là. Comptez. Comptez. C'est comme l'orica, hein. La règle. Jamila est présente dans les classes pour aider les enfants qui ne parlent pas le français. Il parle taki, donc c'est ma langue maternelle. On va vous expliquer pourquoi. Et c'est pour dire merci aux personnes qui sont venues, de Paris, qui sont venues nous voir, et donc on va leur dire au revoir. Pour commencer, on va se mettre en condition pour chanter. Julien, Christian, celui-là. On va se mettre en condition pour chanter, donc on va d'abord commencer par fermer les yeux. Fermez les yeux. Comme moi, je peux vous dire. Je bénis ton nom à jamais. Je t'aime, bénis chaque jour. Pour le nom, le jour et à jamais.
près un mois de classe. Voilà, on commence à sentir les progrès dans tous les domaines, et y compris le chant.